Et salut à toutes et à tous, ici Petit Seb, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On est vendredi matin et c'est l'heure de votre dose de SteamWorld Dig 2. Et là il va me falloir quelque chose de plus costaud pour creuser ça. J'ai juste à temps. Deuxième, blam, voilà, très bien. Il savait plus où donner de la tête, celui de le pauvre. Donc ce côté-là, j'ai déjà visité apparemment. Ah oui, mais non. Oui, mais non. Hop. Ah oui, mais oui. Voilà. Il y a un truc là. Il y a une nouvelle grotte. C'est exactement là où je dois aller apparemment. J'ai quand même récupéré les minerais qu'il y a de ce côté-ci. Je suis allé un peu trop à la bourre, hein, peut-être. Allez, on est d'accord. Là je suis bloqué et là je pense que je suis bloqué aussi. Ouais. Là-haut, il y a un passage. Je vais d'abord aller vérifier le passage là-haut. Ah mais non, oui, je peux pas creuser toujours le mur. Donc je suppose qu'il faut que j'aille dans la grotte là trouver l'amélioration qui me permettra d'exploser ces murs de briques. En gros, c'est un aller. C'est un aller simple, dirais-je. Voilà. Voilà. Merci. Ok, je vois. Il faut que j'arrive à faire descendre ça. Et bon, juste comme un bourrin, j'ai perdu un point de vie pour rien. Et je teste, hein, comme il laisse des passages de libre. Là, c'est le. Je vais pouvoir creuser ça, ça aussi. Ouh, il y a un truc qui brille là-bas. Je sais pas si vous l'avez vu. De toute façon, sur la carte, on. Ben voilà. Photo d'un amour disparu, on dirait un espèce de pingouin. Allez, une machine qui nous permet de. Ok, il va falloir que je fasse tomber un truc et que j'appuie sur les interrupteurs pour le faire venir jusque là, je suppose. Ouais, je sais pas à quoi il sert ce tout petit passage. Ok, le caillou est là-bas. Oh, je l'ai tiré trop loin. C'est pas grave. Doucement, doucement. Hop. Ah oui, parce qu'on est obligé de passer de ce côté-là, sinon ça marche pas. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Oh, comment ça va y avoir de la musique bizarre là? Ouais, c'est parce qu'on a trouvé la machine. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme pouvoir là? Marteau piqueur. Il faut que je parle avec le. Là, d'accord, ça utilise de l'eau. Il y a un truc qui me va pas, c'est que
Ah mais ça je peux monter dessus, ok. Besoin d'eau. Ok, je reprends de l'eau. Ah. Et voilà. Je reprends l'eau que je viens de perdre. Alors, le marteau piqueur. Oh le mecha, comment je l'ai explosé. Moi du coup j'ai fouillé toute la grotte là, j'ai tout récupéré, je suis content. Non, je peux pas avoir la garde de la grotte. Il faut que je retourne parler au maître. Très bien. Hop, on va y aller, pas de course. Par là. Non, ça le tue pas. Récupérer ça parce que j'ai envie. Ça me fera plus de choses à vendre. Hop, on remonte jusqu'en haut. Oui, je sais, on peut pas remonter jusqu'en bas. Boum, vendu avec un bonus de 20%. Construisent des fusées un peu partout sur la planète. Ok, donc là il nous parle du marteau qui peut briser les briques. Ouais d'accord, je peux l'améliorer. J'ai pas le niveau qu'il faut. J'ai tout juste 200. Hein. Et il faut le niveau 6 aussi pour augmenter le marteau. Ça s'améliore pas. Ok. Et il me manque pas beaucoup de choses. Hein. Il me manque deux choses à acquérir pour. Mais après, il va falloir les améliorer pour pouvoir progresser, je suppose. J'ai 4 mechas. Ok, ça fait quoi? Réduit les dégâts de chute. Hop. Améliore la vitesse du marteau piqueur. Ouais. On va le mettre pour le moment, on l'enlèvera si on n'en a pas besoin. Moi je vais améliorer encore la pioche. Il me faut le niveau 6. Donc là j'ai ça, offre une prime pour les ennemis battus avec la pioche. Ah bon bah direct je vais retirer ça. Et je vais prendre la prime. Voilà. Donc je me bats essentiellement avec la pioche. Ça sera bien. Cet outil consomme autant d'eau qu'un bot marin dans le désert. Ok. Ok, il faut que je descende encore bien plus bas. Bon bah, de toute façon c'est parti. Hein. Ah je suis monté niveau 6. Trop tard, j'ai acheté mes améliorations déjà. Ouais, donc les soifards ont disparu depuis que Rusty a. Depuis qu'on a tué Vectron, donc le boss final du premier.
Voyons voir lui ce qu'il nous dit, puisqu'on a ramassé d'autres artefacts. J'en ai ramassé 6. Si j'en trouve 10, il m'en donne un autre. C'est pas comme à la maison, tout le monde se connaît des assemblages. Ouais. Non, je voulais pas lui parler, je voulais juste monter. Et les autres, c'est par là. Non! Je voulais aller voir là-haut s'il y avait quelqu'un qui avait des choses à dire, mais je n'ai pas l'impression. Je voulais voir l'établi pour voir le prix des améliorations. ...350. Ok. Bon ben, hop, on est parti. On va pas traîner, on continue notre progression, notre descente dans les enfers. Voilà. Je sais bien qu'il y avait un truc bizarre par là. Je voyais du bois. Vers là où ça donne avec les autres, donc je vais remonter. Hop. Et je vais continuer ma descente ici. Hop. Donc là j'ai de l'eau pour me recharger et il y a du minerai que ici. Calme, hein. Voilà. Allez. Toc. On prend du minerai par là. Hop, 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 hop. Je suis plus là. C'est gentil d'avoir tué ton ami. Vous êtes encore entretués. J'adore quand ils s'entretuent, ça me facilite les choses. Hein. Hop. Voilà. Cette descente à la volée. Moi. Non, on va essayer. Mince. Un peu trop vite, je remonte. Hop, et il faut que je récupère du minerai, sinon ça va pas le faire. Donc, on va descendre par là. Voilà. Oh, là il y a un truc sur le côté. Zone secrète découverte. Si. Oh, c'est que je serai presque plein. On va donc aller se... délester d'un peu de poids.
Oh, il y a des casques de mineurs là derrière dans le deck. Hop. Allez, on remonte jusqu'en haut. En plus, ça va nous apporter pas mal d'argent. Surtout que j'ai deux gros là. Non, c'est pas lui que je veux parler. Lui, il sert à rien. Boum, bonus de 25%. Et là, non. Du coup, j'ai 250. Je vais améliorer. J'ai plus envie d'améliorer ça là. Le sac me tente bien aussi. C'est... Bon. Pour... Ah, mais je peux pas le marteau piqueur. Moi, bon, c'est réglé. Je vais prendre le sac. Boum. Et donc, amélioration du sac, je peux prendre off une chance d'obtenir deux ressources à partir d'une seule case. Il faut deux mechas. Oh, tant pis, je vais enlever lui. Hop, je perdrai plus de ressources en mourant, c'est pas grave. Oh, là j'ai débloqué quoi? Petite chance d'obtenir trois orbes arc-en-ciel en battant un ennemi. Ok. Je sais même pas à quoi servent les orbes arc-en-ciel. Alors, voilà. Alors, on va enlever ça et on va prendre ça. On verra bien. Ce que ça fait ces orbes arc-en-ciel. Que tout, on est là aussi pour faire des tests. Hein. Parce que si on teste pas, on trouvera jamais la solution. Par là. Ah, je suis laissé tomber. Yo. Ah, voilà. Ah oui, d'accord, les orbes arc-en-ciel, c'est celles qui redonnent eau, vie et lumière. Ah mince. Donc c'est pas mal, ça nous donne plus de chances de nous soigner. Ouais, ce qui veut dire plus de chances de rester en vie. Oh le bonus, j'ai eu deux grosses gemmes d'un coup. Oh la tuerie. La tuerie. Ah mince. Avant et oh aussi il y a un truc par là. Et voilà. Boum. Non. Ah voilà. Ah, juste de l'eau. Je suis triste, mais c'était juste de l'eau. On va aller faire la. Je vais récupérer ça et ensuite on fera la grotte. Après avoir récupéré notre eau et tuer lui. Je dis je vais faire ça et à chaque fois je fais autre chose entre temps. J'ai un ami qui m'a dit ça. Hein. Tu es hyper distrait. Oh, j'arrive pas loin du territoire des soifards. Hein. Ça vient de là. Ah ok. Là va falloir rush. Sinon on finit dans le vide. Ok, ça s'est récupéré. Ah. J'ai merdé comme il faut. Allez.
Là, c'est bon, easy. Ah, et puis du coup, oui, on n'est pas mort. Ça nous a juste fait recommencer la grotte. Et en fait, c'est un piège. Faut pas sauter au-dessus. Il y a une gemme en dessous là. C'est dommage. Comment là? Je pense que j'ai pas ce qu'il faut pour passer. J'ai pas ce qu'il faut pour passer. Ah, ça me tue. Ça veut dire qu'il faudra que je repasse plus tard. Ouais. Ah oui, mais là j'arrive dans la zone des soifards, je vais tomber dans le vide. Il n'y a pas moyen. Je tombe pas dans le vide ici, pas tout de suite, pas pour le moment. Hop, on fera pas ça aujourd'hui, on le fera la prochaine fois. Je vais quand même réessayer la grotte là. Tiens, je vais aller tuer lui. Voilà. Récupérer de l'eau. Je vais essayer de récupérer le joyau vert que j'ai vu qui traînait. Donc là, on n'a même pas besoin de speeder pour celui-là. Ah, ça devait être quelque chose comme ça. Mais voilà. Alors au final, c'était même pas une gemme, c'était un morceau de slime, on va dire. Voilà, ça comme ça. Oh bah tant pis. Tant pis. On va. Je l'avais pas tué lui. Ah, foiré. Meurs. Vengeance du mal. Bon, bah moi je vais aller vendre tout ça. Alors, la sortie c'est par... C'est pas par là. Ça aurait pu. Voilà, c'est par là aussi maintenant. Pas mal. Hop. Et hop. Voilà, je suis sorti. Je vais vendre tout ça et puis je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vais garder l'argent, j'en ai gagné 75, 93 avec le pourcentage, je suis à 200. Quoique il y avait un truc pas mal à 200, non? Bon, il n'y avait rien. Je peux améliorer le canon et ma torche. Je vais faire ça et ça, voilà. Donc ça m'aura débloqué là. Fait apparaître une orbe d'eau supplémentaire en détruisant des cases avec des bombes à pression. Ah ouais, pas trop utile. Ça par contre, augmente tes chances d'éviter automatiquement les roches tombantes et les pierres mortelles. Ouais, on fait en sorte de les éviter, donc je n'en ai pas trop besoin. Bon, et bien sur ce, j'espère que ce nouvel épisode de Steam World Dig 2 vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à lâcher le méga pouce bleu, le commentaire, à partager la vidéo avec vos amis, à me suivre sur Twitter et Facebook pour savoir quand est-ce que je sors mes vidéos. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures dans les mines du Far West. Allez, salut tout le monde. Hey, watch out.